Quelle stratégie digitale adopter lorsque l'on fait du B2B? Comment être sûr d'adopter la bonne stratégie, celle qui va faciliter la vie et générer de l'efficacité, mais aussi du business? Ce sont les questions auxquelles répond l'invité que l'on va recevoir tout de suite. Et je reçois Jean-Paul Crène, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Vuca Stratégie, spécialiste donc des stratégies digitales. Stratégie digitale qui crée de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, créer de la valeur avec une stratégie digitale? Eh bien, tout simplement, gagner de l'argent. Alors, soit directement, soit indirectement. Mais l'objectif, c'est de créer de la valeur pour l'entreprise et évidemment pour ses clients. Alors, comment on fait pour établir une stratégie digitale quand on est une grande entreprise, que sont vos clients, une stratégie digitale qui permet justement de générer du business et donc de l'argent? Eh bien, en fait, il y a, si vous voulez, le digital, c'est comme la vraie vie, mais en pire. Avec le digital, ce qu'il faut surtout pas oublier, ce sont ses clients et surtout les usages de ses clients. Et c'est ça l'élément clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a intégré ces usages, une fois que l'on voit comment on peut apporter de la valeur avec le digital, alors là, on peut avoir une stratégie gagnante, c'est-à-dire qui crée de la valeur pour l'entreprise. Mais si vous voulez, il ne faut surtout pas penser que le digital a quelque chose de magique, comme bien souvent des prestataires, des éditeurs d'applicatifs laissent entrevoir. Il n'y a rien de mystérieux. En fait, il y a avant tout la nécessité de se centrer encore plus vers son client. Et c'est ça que vous apportez à vos clients, les aider à se questionner sur ce dont a besoin leur consommateur, leur client, et d'essayer de trouver les petites choses qui sont à dégripper, essayer de simplifier la vie et la relation entre votre client à vous et son client à lui. Alors, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que... non pas de répliquer ce qui existe déjà avec le monde physique. Le digital doit permettre d'aller encore plus loin. Et il permet normalement de créer même des, ce qu'on appelle en franglais, des disruptions. Hein. Lâchons le gros mot. Le fameux mot. Hein. Donc, si vous voulez, une bonne stratégie digitale est nécessairement disruptive, non pas au niveau de la chaîne de valeur de l'entreprise, mais au niveau de la chaîne de la valeur, du point de vue du client. Hein ? Vos clients, ils sont dans l'industrie. Est-ce qu'un client B2B, quand son client, c'est une autre entreprise, c'est différent que quand son client est un consommateur particulier ? Alors, oui, il y a évidemment des éléments de différence. Il y a des éléments de technicité, il y a des éléments de coproduction de valeur. Mm-hmm. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que même si... Même si le circuit de prise de décision est souvent plus complexe, il n'empêche qu'au final, on a bien des utilisateurs, on a bien des personnes, hein, et on va voir comment la technologie va permettre de faciliter la vie, de faire gagner du temps, et pourquoi pas de l'argent, à cette personne et à son organisation. On voit bien que l'important dans ce que vous dites, c'est l'usage. Vous lancez, vu qu'à stratégie, le Industry Digital Usage Index. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est très simple. L'IDU, c'est tout simplement le fait que, avec la Covid, on a vu qu'il y a des choses qui se sont accélérées, hein, et notamment le digital et les pratiques au niveau du digital se sont accélérées. Et ce que l'on a remarqué, c'est que les entreprises industrielles en ont pris conscience. Il y a pas, cela n'est pas à remettre en cause. Mais par contre, elles ne savent pas par quoi commencer. Hein. Et d'où la nécessité, à nos yeux, toujours de partir de l'utilisateur, de l'usage. Et donc, notre étude, l'étude que nous avons commanditée, en fait, a pour objectif de décrire ces évolutions des usages du point de vue de l'acheteur, c'est-à-dire du client, de nos clients. Donc c'est une espèce de référence, voilà, il est disponible sur Internet ? Alors pas encore, d'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois, et ben voilà, vous reviendrez peut-être nous en parler. Merci beaucoup Jean-Paul Crène, fondateur de Vuca Stratégie, d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. À très bientôt, restez avec nous sur Demain TV, tout de suite on reçoit un nouvel invité.